Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Salim Koupa et aujourd'hui nous allons tuer l'alligator. Ce fils de pute! Ah bah putain, on aurait pu le finir à la dernière vidéo, mais en même temps fallait laisser un peu de stress. Ouais. De l'ail. Ah. What? Il se passe quoi là? Ah ok. On a passé la nuit ici. Ah attendez, fabriquer et cuisiner. Bah vas-y, on va se faire des trucs, après tout. Ça fait depuis le début du let's play qu'on n'en a pas refait, alors bon. Il serait temps qu'on en refasse. Du café moulu, une cafetière est nécessaire. Je regrette d'avoir tout vendu hors vidéo. Ah, quoique. Médicament de miracle puissant. Ouais, mais en même temps. Ah, des balles explosives. Ah, c'est bien, mais c'est cheaté. De toute façon, on peut pas. Soin pour cheval. Ouais, bon, bah on va faire ce qu'on peut, hein, donc ça. Voilà. Non, c'est bon, je pense qu'on va partir. Et on va aller rejoindre Dutch. Allez, viens, mon monsieur canard. Alors, carte Saint-Denis, pas du tout. Il faut aller là. Ah, attends, quoi? Ah, donc faut retourner à la Grâce parce qu'on n'était pas à la Grâce. D'accord. C'est bizarre, mais vas-y, pourquoi pas. Je pensais qu'on aurait passé la nuit là-bas, mais non. Bah, au moins, c'est mieux que d'être au camp, hein. Ça nous a raccourci la route. Enfin, plus ou moins. 165$. Bonjour monsieur. Ouais. Bref, pensez-vous qu'on va avoir une masterclass? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir la fin du chapitre? Parce que je crois que le chapitre 5 ou le... Non, le 4, donc celui-là ou le 5, je sais plus c'est lequel, mais je sais qu'il y en a un des deux qui est quand même assez court. Ouais, bah on verra ça, hein, mais pour l'instant, enfin je dis court, mais si on pardon connard, pardon mon connard, pardon, allez calme-toi connard, on va te donner un brouffet pour la peine. Ouais, c'est surtout aussi parce qu'il en a besoin, sinon si on se fait tirer dessus par les flics, il est mort, surtout pour ça. Ouais, c'est bien, t'es full vie. Enfin, full. T'as 90% quoi, mais quand même, c'est sympa. Hello, mister. Arthur, there you are. Come on.
L'appétit vient. Eh, c'est marrant, ils ont dit vengeant au lieu de mangeant. C'est trop rigolo, MDR. Franchement, j'aurais jamais connu une blague plus meilleure que ceci. Ah, ah, ah. De l'ignorance. Oh, il est là le monstre. Thanks, man. Bonne enculée, vous prenez toute la place. On va avoir besoin de ça, je pense. Ok, ça fait, c'est comme ça. Joli. Oh, on l'a eu. Oh, la double. On va faire une triple ou pas? Ah ouais. Ah non, on l'a pas eu. Bon ok, on va peut-être arrêter. Bon toi tu me casses les couilles là, meurs connard. Bah ouais, on détruit ses fenêtres après tout. Bon ça c'est un peu con, je vous l'avoue. Ouf. Je pense qu'il faut peut-être faire ça là. Peut-être aller avec cette arme au cas où.
Oh, le truc pas du tout épique. Oh. Non, cette arme elle est bien en vrai. Cette arme elle est surcheatée. On peut quand même tirer même quand on est mort. C'est trop bien. Yes, du coup. Bon. Petit flop. Bah ça pas grave. Au moins on doit rentrer et tout, c'est trop cool. Yes, donne-moi ça bah tu couilles. Ah non, en fait l'enfoncer, ils nous le mettent juste trop tard. Putain, toi, tu vas la prendre la balle dans la tête, hein. Voilà, là, c'est bien. Allez, vous savez quoi, on monte là-haut. Ah mais merde, j'en ai un sur moi. Ils ont tué Dutch. Bande d'enculés. Ah. Ah. Bande de fils de pute. On a tué Dutch. Et en soi je m'en branle. Par contre c'est roule. Putain Arthur. D'accord, bon. Ah d'accord, donc c'est maintenant qu'il faut aller à l'étage. Oh. Ah, on l'a trouvé. I'm sorry, friend. Ah bah oui, bah fallait pas. Attendez, vous savez quoi? On va le fouiller déjà. Bah, après tout. Trophée obtenu, voler aux riches. Ouais, voler aux riches pour donner aux pauvres. Faites ça. Faites ça dans la politique, vous verrez. Ça va fonctionner. Bon. Après, ça dépend de votre parti.
C'est vrai, il me dit comme ça, je sais. Mais vous m'avez dit de l'emmener, merde! Ah, d'accord. Gun. Ah, parce qu'ils ont appelé les keufs en mode ils ont eu le temps. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon. Ok, ils ont eu le temps d'appeler les flics, mais. Le pire, c'est que ils osent nous tirer dessus. Enfin, on a quand même Bront dans les mains. Si on veut, on le tue en 2 secondes. Hein. On le jette par terre et on le fume si on veut. Donc pourquoi ils jouent le risque? Ils doivent essayer de négocier normalement. Normalement, tu négocies. T'essayes pas de tuer le premier connard venu. On attend pas trop en otage, mec. Arrête. Ah bah attendez au cas où parce que je m'attends à ce qu'on va se faire tirer. Ah bah on peut pas. Fais chier. Ah j'ai un doute. Est-ce que c'est à lui qu'ils vont faire ça? Enfin est-ce que c'est dans ce jeu ou c'est dans un autre? Ah j'ai un doute là. De ce qui va se passer. Je crois que c'est maintenant. Bah attendez, on va voir la fin de la cinématique, hein. Et après je vous dirai si c'est maintenant que je pense à ça. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth. Huh? Ah, bah, c'est peut-être ça. It's got to be. This is our friends, the mutants, gonna come and rescue you. You little maggot. Putain, la motion capture, ça devait être quelque chose, hein. Franchement, je. Ok, c'était bien ce que je pensais. Je pensais qu'il. J'avais un doute s'il allait se faire bouffer par un alligator. Et bah, c'est ce qui se passe. En fait, c'est grave parce que le groupe d'Arthur Morgan, ils ont vu littéralement les pires choses possibles. Genre là, ils ont regardé. Eh ben voilà, il est mort. Il n'y a plus rien de lui à part son sang. Et encore, hein, peut-être que les alligators vont le boire. Mais c'est drôle de se dire que le groupe d'Arthur Morgan, ils ont vu et ils ont vécu littéralement les pires choses qui auraient pu arriver à cette époque. Donc. Moi, ça m'étonne pas qu'il y a des vraies personnes dans notre monde qui ont vécu ça aussi à cette époque-là. Mais vu qu'on ne sait rien d'eux, alors on va dire nique sa mère. Hein. Malheureusement. Du coup, voilà. Hein. Monsieur Dodge.
Du coup, ça y est, on va faire le braquage. La banque, cet ancien tard américain. C'est ça. Par contre, il a raison. N'importe quel plan dans le monde entier, peu importe le plan de braquage que vous ferez, si vous le faites proprement, il fonctionnera. Alors forcément, il y aura peut-être des morts, il y aura peut-être quelques-uns de vos alliés qui iront en tôle ou vous-même, mais si vous le faites proprement, il y aura sûrement zéro blessé. Et c'est littéralement ce que vous voulez si vous faites un braquage. Hein. Parce que si vous faites des blessés ou que vous tuez des otages, les flics là, ils ont tous les droits possibles pour vous tuer. Hein. Là, ça y est, ils arrêtent la négociation, ils peuvent vous tuer directement. Donc c'est pour ça que si vous braquez un jour une banque ou autre chose, on s'en branle, faites-le proprement. Vraiment. Pas que je vous conseille de le faire, mais si vous êtes vraiment dans la merde en termes d'argent, bah là j'avoue que bonne chance déjà pour vous prendre une arme pour le braquage. Déjà pour ça, bonne chance. Et voilà. Ah, donc ça y est, ça commence. Putain. Je pensais qu'on allait avoir quelques missions de merde avant, mais non, non, ça commence. C'est pas comme GTA où on a des préparations de braquage à faire. Genre le repérage des lieux est déjà fait, ça c'est cool. Je vous laisse lire, je parle pas pour l'instant. Ça y est, notre dernier coup. Enfin, dernier.
J'ai même pas besoin de connaître la suite du jeu, que je sais déjà qu'on va se fail. Alors peut-être pas le braquage, il va peut-être être réussi, mais il va se passer tellement de conneries après que finalement ça considérera comme si le braquage était raté. Clairement, c'est ce que je m'attends. Vous pouvez dire que je suis négatif et tout, mais c'est toujours comme ça dans les jeux Rockstar. On se fail. Genre le truc il se passe bien, il est propre, on réussit tout. Mais il y aura un truc qui va nous mettre dans la merde. Juste un truc. Et à cause de tout ça, on va perdre. Alors, il y aura peut-être des personnes qui vont crever, c'est sûr. Même si je crois pas qu'ils vont crever, les personnages en question. Du moins, c'est pas encore prévu. Ils mourront peut-être dans les prochains chapitres, mais pas maintenant. Bref, voilà. Après, en même temps, ce que je fais, c'est juste des suppositions et littéralement des théories sur ce qui va se passer dans quelques instants. Alors, bon. Attendez avec Dutch que Osea fasse diversion. Huile pour armes. Ah bah là, on va en avoir besoin de ça. Vous savez quoi, on va même prendre un remontant, restaurant entièrement votre énergie, il renforce légèrement. Bah vas-y, on va le faire. Ah, comme ça, là, on va être bien. Par contre, pendant le braquage, il y a des chances que je ne parle pas du tout, justement parce que, bah, la concentration, faut que je me concentre. Donc il y a des chances que ouais, que là ça y est, le braquage il commence, il y a des chances que je ne parlerai pas du tout justement parce que bah le stress quoi et en même temps la concentration. Tellement envie de mettre une balle. Ah mais c'est horrible, ça fonctionne pas putain. Bah ouais bah... Il a dit quoi? 74? Ah non, 54. Ah putain, c'est affreux. Mais putain, mais c'est horrible! Comment il va rapidement? Ah putain, enfin! Oh! Mon dieu! Juste là, ça nous fait combien? D'accord, il s'occupe. Oh merde! Bon, ça va, ils ont pris le reste. Par contre, on sait toujours pas d'après combien nous. Mr. Mill? Let my friend go. The folks, they are gonna get
is America, you can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on! Ils vont le tuer. Athéa ! Non ! Ah. Mort ? Athéa ? Bande de fils de pute ! C'est bon copain. Mourez, bande de salope. Vous avez tué mon copain, bande de bâtard! Putain, en plus, c'est lui qui a dit qu'il fallait faire un plan propre. Le pauvre, il s'est fait tellement baiser. Allez, même à terre, on te fume, bâtard. Par contre, toi, tu vas bouffer ta balle dans la tête, là. Nique ta race. Maudit fils de garce. Ah, ils veulent pas dire le mot vulgaire. Ils sont pas marrants, ils veulent pas dire que c'est une pute, leur maman. Non mais c'est bien, il est poli. Par contre moi je le suis pas. Fils de pute, voilà. Putain mais bouffe là ta balle, fils de bâtard de... Mais c'est quoi ces esquives? Voilà, comme ça, ça nous fait économiser des balles en plus. On va reprendre des couteaux à lancer pour la prochaine fois. Mais il peut pas mourir ou quoi ce mec là-bas? Ça y est, meurs mon frère! Putain, mais le jeu, mais putain de jeu de merde! C'est ça que je déteste avec les jeux Rockstar. C'est que parfois on peut sauter par-dessus le truc, mais parfois on ne peut pas. Y a aucune raison, hein. Mais parfois on nous interdit de sauter un truc qu'on a déjà sauté quelques secondes auparavant. C'est complètement con, mais ils le font à chaque fois. Ah. Bah oui, merde. Ah bah je savais pas. Bah, j'y avais pas pensé. Oh, ça y est, Nicky Boras là. Putain, mais lui il se prend une balle de pompe, il meurt pas. Mais ouais, c'est des surhommes. C'est des surhommes. Tu prends une balle de pompe, tu meurs instant. Même dans GTA, tu meurs instant. Et pourtant, GTA, parfois, avec les bugs. Des charlots. Voilà, au moins ça c'est fait. Regardez, là, on peut sauter par-dessus, je sais pas comment.
Mais là, on pourra pas. Tu te fous de ma gueule? Mais voilà. Et là, maintenant, on n'a pas le droit de passer par au-dessus. Voilà, donc là, on va pas faire la même connerie. Ça va, on meurt pas d'ici. Ah, quand même. Ah. C'est mal expliqué aussi. Ok. Mais meurs à un moment, merde! C'est quoi ça? Putain. Bande de fils de pute, vous avez tué mon meilleur copain. Putain de moucheron. Ah bah, je pensais que qu'on allait avoir des morts au prochain chapitre, mais finalement... Enfin, je savais qu'on allait avoir quelques morts avec le braquage, parce que c'est logique. Mais au point qu'on ait deux morts, donc Osea et Lenny, littéralement personne du groupe, à mes yeux, hein, ça fait mal au cœur. Après on a aussi John, mais lui ça va, il est arrêté du coup, on s'en branle. Et John il ne mourra pas, parce que 2 se passe avant. Donc chronologiquement, s'il meurt, c'est ça nique le premier jeu. S'il meurt dans le deuxième, chronologiquement ça nique le premier. Et le premier n'aurait du coup aucune logique. J'ai un doute, c'est lui le traître ou pas? Je sais qu'une fois j'avais regardé la fin du jeu sur Game Movie Land, mais j'oubliais si c'était Maika le traître. Je sais pas. Bah, pour l'instant on va dire on ne sait pas qui c'est, même si on peut avoir des doutes sur Maika. I got it.
We stay. That's all. Bah, du coup, on va devoir attendre. Ils sont littéralement riches grâce au braquage, mais ils peuvent pas sortir. Enfin, ils sont obligés d'attendre longtemps. Ils ont dû attendre toute une journée. Imaginez, ils ont fait ça le matin. Là, il fait nuit, du coup, on peut supposer qu'il est au moins 21h, 22h. Supposons qu'ils l'ont fait le matin. Ils ont dû attendre longtemps. Bon, en vrai, il se baisse, mais on peut rester debout. Hein. Ah non, là, va falloir se baisser. C'est tellement stressant. Ça fait quoi, on va même ranger notre arme, comme ça on fera pas de conneries. Oh mon dieu. Par contre, je pense que vous êtes conscient que là, tellement la mission va prendre de temps, que si on se fail, que ce soit voulu entre guillemets ou pas du tout, genre c'est juste un bug en mode ils nous ont repéré, du coup bah on est baisé. Je tiens à vous dire que là, vu le temps de vidéo où on est, si on se fait repérer, on recommencera la mission à la prochaine vidéo. Hein. Clairement, je coupe la vidéo sur ça et on la continue. Et on refera tout dans la prochaine vidéo, comme ça on aura... Comme ça, voilà. Bah, sans me faire repérer... Oula. Ah, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Il se sacrifie pour nous. Oh, le frère. Quel frère.
Quel frère? Bon, après ça va, il va peut-être pas se faire tuer par chance. Ça dépend du bruit qu'on va entendre, hein, si on entend. Ouais, mais je pense qu'il va juste se faire arrêter. Hein. J'espère. Ok, on part sur une cinématique. Je sais, c'est horrible ce que je vais faire. Mais clairement, la cinématique, En fait, c'est ça qui est chiant avec Red Dead, c'est que les cinématiques, et je dis Red Dead, mais les jeux vidéo en général, les jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est que les cinématiques peuvent être très courtes comme énormément longues. Et là, du coup, bah, si sur PlayStation on pourrait faire des vidéos, mais maximum de 2 heures, je vous jure que j'aurais laissé tranquillement. Ça aurait été sûrement la plus grosse vidéo du let's play, mais c'est pas grave. Mais vu qu'on peut faire que 1 heure, on a beau être à 46 minutes, la vidéo peut. Enfin, la cinématique peut prendre un quart d'heure, du coup je veux pas prendre de risque. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera ça la prochaine fois. Du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien likez, commentez, partagez, surtout abonnez-vous. Sur ce, c'était Limikoupa, et puis moi je vous dis au revoir tout le monde.